Eh bien, salut à tous et à toutes, c'est Shaky Zeman. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo commentée sur Dome. Je jouais avec mon ami Shaky Xowner. Le gameplay se portera, l'arme que j'ai utilisée dans le gameplay sera l'Isazuz. Là, je commence à jouer avec la MP7 parce que j'ai mon javelin. Mais sinon, vous allez voir, je vais faire 4 kills et je vais mourir. Et je vais passer à l'Isazuz. Donc je vous dis pas le score que je ferai à la fin, mais bon, il est assez... on va dire qu'il est pas... il est assez élevé, on va dire. C'est mon ami, Neoxys, qui m'a demandé de lui faire une petite vidéo à l'Isazuz 12. Je ne sais pas de quoi réellement parler dans cette vidéo, mais bon. Donc là, vous allez voir un truc très marrant. Donc là, je suis à un kill de mon Preda et 3 de mon hélico. Donc là, je vois qu'il y a des mecs. Je veux tirer sur la voiture pour la faire péter. Ok. Donc voilà, donc je tire comme un con. Ok. Et là, mon nom... Ah, j'étais aussi chez Kixazy, pardon. Donc là, mon ami Skazy, le but. Je passe, et là, magnifique, je me suicide automatiquement. Donc, voilà, donc là, je passe à l'Isazuz. Et donc, la vidéo, je crois, va couper, car il y a une migration de l'eau, donc je le retrouve tout de suite. Donc, je sais pas ce qui se passe, là. Voilà, donc il reste... Et bien voilà, nous sommes de retour donc pour cette vidéo commentée. Donc pendant le jeu, j'enregistre avec le mode studio. Lorsqu'il y a une migration de l'autre, ça coupe la vidéo en partie. Donc selon le nombre de migrations d'autres qu'il y a, la vidéo est coupée. Donc voilà, ouais, là mon ami, Awuner m'avait sauvé, mais je me suis fait piner dans le dos, évidemment. Donc je vais vous parler entre autres du gameplay, mais également des projets que je vais lancer sur ma chaîne. Donc là, je vais pas parler du nombre d'abonnés parce que c'est médiocre, mais bon, ça fera rigoler donc à Awuner qui dit que je lui dis que des fois je suis bientôt à 10 000 vues sur mes vidéos. Il me fait ouais, mais ça c'est ce que Monsieur le V12 se fait sur une vidéo, donc il aime bien se foutre de ma gueule, hein, comme d'hab. Donc nouveau projet, donc là vous voyez, j'ai envie de faire une petite trip. Et attention, vais-je faire la triple feed? 1, 2, oui, triple feed, magnifique. Donc, le projet que je vais lancer, donc ce sera, donc, vous allez me proposer des défis sur Modern Warfare 3, car sur Code 4, maintenant, il y a trop de monde qui cheat, c'est plus la peine d'essayer. Même si j'ai passé mes 10 prestiges sans cheater. Donc le projet, ce sera, donc vous me proposerez vos défis, donc quand je pourrai jouer à la Xbox, qui n'est pas le pas pour l'instant, donc je les réaliserai. Donc je crois que c'était mon ami Neoxys qui m'avait proposé un nom pour mes séries, c'était retrait d'âme, pardon, avec, et là je mettais le nom de l'arme, donc cette partie ce serait retrait d'âme à l'Isazuz 12. Donc là vous voyez que je joue en, là je venais de passer mon prestige, donc j'étais niveau 4, je crois, oui. Je venais de faire mes classes. Ouais, non, j'étais niveau 4. Et donc, je venais de mettre l'Isazuz 12. Et donc, là, à l'heure où je vous fais la vidéo, donc 2 heures après, avec le double XP que j'utilisais, donc double XP d'armes que j'utilisais avec le champ prestige que j'ai débloqué, mon Isazuz 12 est en or. Et donc, j'ai niveau 31 avec dégâts. Donc, je pense que vous ferez peut-être un gameplay si je fais une bonne partie avec mon Isazuz 12 en or. Donc après, je vais filmer la partie sur Black Box, donc là, le nouveau map pack là, que Noxys m'a demandé de faire. Donc je disais, donc le défi sera retrait d'âme sur Modern Warfare 3, donc avec l'arme que vous me proposerez. Donc vous me proposerez vos atouts, si je joue en spécialiste, si vous voulez que je tente une Moab, le mitrailleur d'Obstray, la C-130, enfin ce que vous voulez. Ou tout simplement si vous voulez que je joue avec en mêlée générale, le mode de jeu, enfin tout ce que vous voulez, les accessoires... l'arme, si vous voulez que je fasse que je tente un AC-130, un Obstray ou une Moab au Dragunov silencieux, le net thermique ou à Kog, comme vous voulez. Donc je sais pas de quoi réellement parler. Donc là vous voyez donc la petite triple élimination, ce que je ne savais pas en fait. Donc là j'étais en train de dire à mes coéquipiers, oh la petite double sur C, et là je vois triple élimination. Là je fais ah ok, bon bah sympa. Donc après je vois pas si Silvero regarde cette vidéo, il m'a remarqué que je ne dis plus donc, car dans la première vidéo commentée je disais je sais pas combien de milliards de donc, car faisait ouais donc là au hasard j'étais assez dégoûté. Donc là vous voyez
il y a la H6 du mec, donc je vais détruire la H6. Et je pensais que ça allait compter dans ma série. Et là, bah non. Donc là, je tue le mec. Donc là, je crois que j'allais avoir mon hélico, bah non. Donc là, je suis à un kill de mon hélico. Et voilà, je me fais piner par un striker. Donc là, j'étais assez dégoûté. Donc là, Skyzy rigolait. Là, donc la martyre. J'échappe à la martyre. Et là, où était le mec? Il était là. Et je me suis fait piner. Donc là, si vous avez pas fait attention, mais Skyzy vient de faire une petite triple feed. Quad feed avec son use S12. Donc là, le mec, grosse merde avec son striker. Mais là, malheureusement, vu qu'ils avaient A, eh ben non. Voilà, une pin avec deux balles de striker, mais bon. Donc, on gagne la partie à la fin, je crois, il me semble. Donc là, je fais, mettez-vous à couvert, il y a un moment furtif, et je me fais piner avec Aouner. Vous voyez Skyzy qui est paralysé par le petit bombardier furtif. Donc là, ce qui m'a fait marrer tout à l'heure, c'est Skyzy. On était en partie avec des mecs, je crois que c'était sur Ardat, les mecs qui jouaient à l'Usazus comme nous, parce qu'on les faisait rager. Donc là, voilà, j'ai pas compris. Vous avez bien vu, Psychose a passé son prestige. Il avait toutes les armes en or, mais il a passé. Alors on s'est demandé, je sais pas combien de temps, si c'était réellement lui ou pas. Et en fin de compte, c'était lui, donc il nous a pas dit pourquoi il avait passé. Donc je le disais, donc on était en domination, c'était sur 6 tendres, voilà. Et là, donc je vois qu'il y a 3 mecs. Je cours avec mon Usaz 12, donc je crois que je l'avais en dégâts à ce moment-là, moi je l'avais en automne. Et là, je vois les mecs, je me fais une triple élimination, et là, Skyzy est fait. Mais d'où l'assistance de mes couilles là? Et ça rappellera à ceux qui ont vu ma vidéo, ma plus grande rage, que j'avais dit ça quand c'était Frager avec son AC-130 qui m'avait piné. Donc là, j'avais pas fait attention, en fait, il y a une bombe UM. Donc là, je débloque mon hélico. Enfin, je débloque mon Preda. Là, à droite, je m'en branle. Donc là, il y a un mec, en fait, j'ai pas fait attention du tout, qui m'est passé par derrière. Je sais pas où il est passé, mais il est mort. Donc là, j'ai chopé un colis ennemi, donc c'était un Predator. J'ai débloqué mon Predator, et là, je débloque mon hélico. Et là, comme un con, j'avais oublié qu'il y avait une bombe UM. Donc là, je vais activer dans pas longtemps mon hélico. Non, j'avais essayé d'activer mon Preda, ça marchait pas. Voilà. Donc, voilà. Non, si, voilà. Donc là, j'active, donc encore 38 secondes. Donc je vais faire un petit massacre aussi. Là. Donc là, c'était une vraie, hein, c'était une tourelle automatique. Aouner va bien killer, n'empêche, avec sa tourelle. Je crois qu'il va se faire une quinzaine de kills. Donc là, je sais pas pourquoi, j'étais coincé. Et là, assistance, voilà. Donc là, encore 21 secondes. Bon, je vais aller. Donc on va continuer à rusher, hein, c'est le but d'une vidéo. Donc là, vous voyez Psychose qui est en ligne. Donc, je pense soit il va aller sur FIFA, soit il va venir avec nous en recherche. Parce qu'après, je vais aller en recherche. Donc avec Skyzy, Emson Wirst, Origins, Drickness. Et je ne sais plus qui d'autre. Si, Shems, voilà, Shems. Donc là, je vais les rejoindre. Et je pense qu'on va virer Drickness ou Shems pour. Donc là, petite triple. Et oui, triple élimination. Et là, je fais, ils vont spawn. Je lance mon second Preda. Et là, attention. Là, je vois un carré rouge, deux carrés rouges, trois carrés rouges. Eh ben non, il ne fait qu'un mec. Mais bon. Donc là, je suis en route, là, tout le bordel. Je suis content, je fais un bon score. Je sais pas à ce moment-là combien je faisais. Et là, j'ai 18 Akimbo. Donc là, ouais, il va jouer MW3. Donc, il jouera pas avec nous. Je pense que on va le virer. Donc, toujours. Donc, nous sommes niveau 5. Donc bientôt niveau 6 car apparemment il y a un mec qui a rejoint, là j'ai invité, donc je sais pas si, j'ai pas regardé. Mais normalement il a rejoint un clan, donc on doit être bientôt au niveau 6, donc dans 13 XP. Le truc assez dégueulasse. Voilà, donc là je tue un mec, assistance à cause de la tourelle, hit marker et il se fait buter, pas d'assistance, on sait pas pourquoi, mais c'est pas grave. Donc lui là, qui voulait détruire la tourelle à Owner, je l'ai piné, donc là mon arme qui passe niveau 16 je crois. Donc donc avec Skyzy on était avec l'Usas 12 et tout le bordel. Donc lui à ce moment là il avait déjà niveau 30, contrairement à moi, qui moi je l'avais une queue niveau 16 ou 18, je sais plus. Non, j'ai de la merde, là, niveau 8, il était niveau 8, parce que j'avais que recul, j'avais poignée, je crois, j'avais pas recul. Bon, on verra à la fin de la partie niveau combien j'étais, mais bon. Donc là, vous voyez, je one shoot quand même un certain nombre, alors j'ai pas. Donc là, voilà, le mec, je le bute, il spawn, je le rebute. Et là, magnifique, là, on me tire dessus, je suis tout rouge, mais Skyzy me sauve. Là, il y a un mec dans le dôme. Hop là, je me relève, il est là, oui, j'ai mon hélico, double, oui, les mecs m'avaient pas vu. Là, je vais lancer mon hélico. Donc, vous voyez, c'est serré, regardez le score, 168, 166, on a deux positions. Et on va perdre C, mais ça va, on prendra grâce au mec, là, je sais pas qui c'est. Mais bon, donc là, vous voyez, là, je lance un radar portatif, parce que j'étais quand même à 4 kills de la 630. Et vous allez voir, je fais réellement le con.
Donc là, j'ai lancé mon radar portatif. Donc je vois qu'il est sur radar portatif, qu'il y a un mec qui va arriver. J'ai assassin, donc le Reaper me voit pas. Non, c'est un détectable pour le Reaper, je crois. Voilà, donc là, je tue le mec sur A, et là, je fais, putain, j'ai pas un détectable. Là, je me lève, je me barre, et là, je vois les deux mecs pour la 630, et non, je me fais buter, et oui. Donc, le gameplay va pas tarder à s'achever, donc mon hélico, je pense qu'il va bien qu'il a à la fin, là. C'est pas celle-là où mon hélico, je crois. Donc, vous voyez, là, Shake X Demon. On est tous à l'usage. Donc là, j'allais me faire 1, 2, 3, peut-être 3 kills. Et donc là, je me fais piner par le Reaper, et là. Voilà. Et est-ce que je vais faire la kill cam? Oui, un mec, martyr esquivé. Et là, non, je me fais piner. Et est-ce que je fais la kill cam? Et non, Psychose me vole la kill cam. Donc voilà, donc on va se terminer sur cette magnifique kill cam de Psychose qui a passé son prestige. On ne sait toujours pas pourquoi. Sachant qu'il avait, je crois, 16 ou 18 armes en or. Vous pouvez admirer notre titre. Donc si vous avez des suggestions pour ce qu'on pourrait marquer sur notre titre, laissez-les moi dans les commentaires. Donc voyez-vous, donc je termine sur un 58-22, j'étais niveau 17, voilà. Donc je vous souhaite...